Le mot vocation, c'est comme un rêve. Donc moi, mon rêve, c'est d'être ingénieur en génie civil. La vocation, c'est le bon mot pour décrire cela, ce que je ressens. Alors ici, on est à l'école des ponts et chaussées, où j'effectue ma formation de master spécialisé en génie civil européen. Alors je suis originaire de l'île de Tahiti, en Polynésie française. Mes parents se sont séparés, ma mère s'est recasée avec un militaire français. C'est une personne que j'ai toujours considérée comme mon père, jusqu'au jour où, à mon adolescence, il est devenu, contre toute attente, alcoolique. Et ça a vraiment tourné au drame, et jusqu'au jour où il s'est ôté la vie. Voilà. Le jour où il est parti, ben, ça a été très compliqué pour nous. Nous avons pu quand même continuer notre scolarité et à vivre correctement grâce aux bourses notamment d'État. Moi j'ai poursuivi mes études jusqu'au plus loin qu'on pouvait y aller en Polynésie, donc c'est-à-dire un BTS, un bac plus 2. Et moi je me suis dit je ne veux pas rester là. J'ai intégré une licence 3 à l'Université de Lille et Bordeaux proposait une formation de génie civil plus architecture. Je suis donc parti pour faire mes 2 années de master. Du coup j'ai travaillé très dur pour pouvoir postuler dans des grandes écoles jusqu'à aujourd'hui où mes ressources personnelles arrivent malheureusement sur leur fin et sans la fondation, je ne peux pas continuer.